Nous sommes mercredi 9, ça y est. Je parle pas trop fort parce qu'il est à peine 6h du matin. Et que j'ai plus de voix. C'est le grand jour. Le jour de l'opération, donc pour Marino. Là, je vais prendre mon RER, puis mon métro pour aller Paris 15e. J'ai eu beaucoup de mal à dormir hier soir. J'ai eu un petit moment de... pas de trac en fait, un peu de stress, ouais. Et mais bon, je pensais pouvoir dormir. Et en fait, j'ai pas arrêté de tourner sans forcément penser à l'opération ou quoi. J'ai quand même dormi au bout d'un moment. Donc je me suis réveillée pas du tout fatiguée. Donc c'est cool, j'ai pas de mal à me lever. J'ai hâte d'y être en fait, que ce soit fait. En fait, c'est ça que je disais hier à mon chéri, c'est que j'ai vraiment... ce que j'ai le plus hâte, c'est d'ouvrir les yeux après l'opération et de me dire c'est fait et surtout je suis réveillée. En soi, j'ai pas super peur des anesthésies, j'en ai déjà eu. J'ai confiance et bon, j'ai pas de soucis de santé. Y a pas de raison qu'il y ait un problème. Je sais pas, c'est peut-être le fait d'être maman. Je pense direct à ma fille en fait et ça me fait peur en fait. Je me dis j'ai pas le droit qu'il m'arrive un truc en fait. Je fais attention à pas me faire écraser. Il faut pas qu'il m'arrive un truc par rapport à ma fille. C'est pas vraiment par rapport à moi en fait. Sinon, bah écoutez, ce matin, les consignes c'était une douche normale et puis rien mettre du tout sur soi. Donc là, je vous raconte pas, j'ai la peau en carton. Donc je crois que je l'ai dit la veille, je passe la première à 8h. Donc faut pas traîner et puis là il doit être 6h10, un truc comme ça. Voilà, j'espère du coup refilmer juste après. Bon ben voilà, opération est passé, tout va bien, je me sens bien, j'ai été opérée à 8h, il doit être un truc comme 14h, 14h30, j'ai été en salle de réveil, je me suis réveillée à midi, le chirurgien vient de passer me voir. Il est très content de lui, il m'a dit qu'il avait fait tout ce qu'il avait prévu, que le résultat était top, que vraiment c'était super, super joli et super naturel, donc je suis contente. Bon, j'ai une tête qui fait peur, mais c'est plus impressionnant que à voir qu'à vivre en fait, hein. Bon, ça va. Ça va bien. J'ai beaucoup dormi depuis que je suis remontée dans ma chambre avec des glaçons et des compresses pour éviter les bleus. Pour l'instant, sur les yeux, j'en ai pas. J'en vois un petit peu sur les côtés là. Et puis, je fais que dormir. Je récupère de ma nuit qui était un peu compliquée. J'arrive à super bien dormir là. Le problème de la bouche sèche, bah en fait ça va. C'est pas aussi horrible que je croyais. J'avais vu des vidéos ou lu des trucs. Les filles disaient c'est horrible, j'ai paniqué, c'était insupportable. En fait
Non, ça va, c'est pas pire que quand on a un gros rhume et qu'on dort avec la bouche ouverte, quoi. Il faut juste bien passer la langue, faire venir la salive, passer sa langue partout. Mais comme j'ai l'habitude, il est souvent bouché. Donc en fait, ça me gêne pas du tout. Ça, c'est vraiment cool parce que j'avais quand même assez peur de paniquer, d'avoir la bouche très sèche, et de m'étouffer quoi. Mais en fait, on s'étouffe pas, hein. Tout va bien. Bon, j'ai des traces dégueulasses un peu partout. C'est pas super glamour, mais bon, ça fait partie du jeu. Donc ça y est, c'est fait. Et quel soulagement quand je me suis réveillée. Au début, je savais plus où j'étais. Je me suis dit, mais j'étais complètement dans les vapes. J'ai ouvert un tout petit peu les yeux. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis où? Qu'est-ce que je fous? Et puis au bout de quelques secondes, je me suis dit, ah putain, c'est vrai. L'opération, et de suite je me suis dit, c'est fini, je me suis réveillée, j'ai pensé à ma fille, j'ai dit, je vais la revoir. Alors, du coup, j'ai eu une greffe là au-dessus. Et normalement, il a pris dans mes cheveux. En fait, le chirurgien a utilisé de la membrane maxillaire, je crois, d'un muscle de la mâchoire. Une petite membrane autour du muscle qu'il a enlevée. Enfin, il a pris un petit bout et il me l'a foutu dans le nez. Mais je sais même pas, j'ai même pas. Je sens rien du tout, en fait, j'ai aucune douleur. C'est assez fou d'avoir une gueule pareille et de pas avoir mal. C'est cool. Donc bah écoutez, voilà, c'est fait. De l'avoir fait et honnêtement on verra demain et les autres jours mais là après avoir bien dormi bien récupéré de ma fatigue de la nuit je pense que j'ai pas mal évacué l'anesthésiant franchement je me sens détendue c'est cool c'est bien. Assurer que ça soit fait, que je me sente bien en fait. Alors peut-être que demain je vais gonfler de partout, je me sentirai peut-être moins bien. Mais du coup, je suis contente de passer. Je suis contente de passer une nuit ici. Ça me permet de bien me reposer, de bien récupérer et puis. Je pense qu'une fois que je retournerai chez moi, je serai bien en forme. Voilà. Bon, j'ai mes affaires à côté là. Je pourrais pas les récupérer toutes seules. Donc, je vais attendre sagement qu'on m'autorise. Peut-être à me relever et à boire un peu. Pour l'instant, j'ai pas eu le droit parce que j'avais un petit peu dénausées. À peine je me suis réveillée, en fait, j'avais même pas ouvert les yeux que j'ai eu. J'ai vomi un petit peu de sang.
c'est un peu bizarre, un peu dégueulasse, mais ça a été super. Et voilà, j'ai eu juste une grosse dosée. C'est l'anesthésie, enfin. Ça m'a pas fait ni mal au nez, ni rien. Et puis, depuis qu'il m'avait remonté dans ma chambre, j'avais comme des vagues de moins bien, en fait. J'avais le cœur qui tapait. Je sentais pas très bien, la tête un petit peu. Voilà, besoin de fermer les yeux. Et puis hop, ça repassait. Ça durait une petite minute, et puis ça passait, puis ça revenait, puis ça repassait. Mais là, en dormant bien profondément et tout, ça a l'air d'aller. Donc je vais continuer à mettre mes petites compresses froides, puis me reposer, et puis je vais attendre les infirmières repassent pour voir. Le chirurgien, il doit repasser ce soir, je crois. Il reviendra voir comment ça va. Et puis on m'enlève les mèches demain matin. Ça me fait des narines énormes. Mais je sais que c'est normal, ça va pas rester comme ça. Voilà. Pas gonflé pour l'instant, mais bon, ça je sais que faut pas se fier au premier jour, c'est le lendemain en général que ça part en cacahuète, histoire. Je l'ai fait, quoi, et je me suis réveillée, c'était ma plus grande peur en fait. Bon, voilà, je vais couper ici. Et puis, refilmer peut-être plus tard. S'il y a du nouveau. Demain. Voilà. Salut.